Allez amigo, cette fois-ci c'est la dernière. Allez, c'est la dernière. Je vais te passer un petit beat de... Enfin, pas une petite beat, hein. Un petit beat de reggae. Donc ne va pas interpréter les choses différemment, hein, s'il te plaît. Donc là, je vais te passer du reggae, des instrus reggae. Et tu vas voir que, en fait, bon, moi pour moi, c'est les maniates qui ont vraiment cette homogénéité, tu vois, que les Eltax n'ont pas, même si les Eltax, elles sont plutôt démonstratives, les Eltax. En même temps, enceinte au rendement, voilà, c'est l'aigu qui est vachement en avant, tout ça. Mais bon, d'ordre général, tu verras, enfin pour moi, la maniate est beaucoup plus équilibrée. Ce qui fait que forcément, voilà, c'est. Ça donne l'avantage, en fait. Ça donne l'avantage. Parce que la Eltax, voilà, ça va être démonstratif. Ça peut t'en mettre plein les oreilles d'un coup. Tu vas être là, waouh. Un peu comme à l'instar de Klipsch sur certaines de leurs enceintes, où ça va t'en mettre le paquet. Mais au bout d'un moment, tu vois, ça peut te fatiguer, en fait. Donc après, bah voilà, avec toi et tes oreilles, toi et ta pièce, toi et ton ampli, toi et ta source, toi et tes câbles, toi et tout ce que tu veux. Voilà, c'est vraiment le dernier essai que je fais entre les deux, et puis voilà, après on passera à d'autres enceintes. Parce que voilà, j'estime que j'aurais fait le tour de ces deux protagonistes. Et que après j'ai d'autres enceintes bien plus intéressantes à vous présenter, mais le truc, bon, voilà, c'est que ça. Bah, les gens sont pas forcément intéressés par les enceintes intéressantes. C'est après, voilà, de toute façon, comme je t'ai dit, je vais passer après sur des essais d'enceintes, on va dire plus conventionnelles, avec des biblios qui vont être tablés sur du 16 16 cm, 20 cm. Je vais essayer d'avoir on va dire un maximum d'enceintes bibliothèques actuelles, voilà, pour rester dans le Ouais, dans l'actualité, parce que c'est vrai que les vieilles enceintes que je peux avoir, même si j'ai du super matos, des enceintes qui sont super rares, bah, au final, il y a très peu de personnes qui vont s'en intéresser, en fait, à part les connaisseurs, tout ça, mais voilà, moi, tu sais très bien que ma chaîne, elle a pour vocation à être pour tout public, aussi bien les audiophiles, ceux qui débutent dans la hi-fi, enfin voilà, de tout âge, que ça aille de 18 piges à 80, 100 ans, si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Du moment que t'es pas sourd, c'est le principal. Voilà. Bon, allez, c'est parti, je te passe le petit son de reggae. Attends, moi, par contre, j'ai le nez bouché, ça va vraiment pas, cette histoire. Aïe, 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 aïe. Allez, go.
Excusez-moi, elle taxe. Elle taxe, les gars. Je voulais dire pitain. Pitain. Comme la pita, tu vois, le... à manger. Un peu plus les enceintes entre elles et le jeune padawan, si tu es là en train de regarder une vidéo et que tu n'es pas forcément un spécialiste de la hi-fi, je t'invite vivement, mais alors vivement, à écouter toutes les musiques pour les comparatifs, écoute-les avec un casque, voilà, au lieu de les écouter sur un téléphone portable. Voilà mon petit conseil. Sinon les gars, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée et puis bah passez de bonnes vacances. Hein. Et on est déjà mi-juin. Mi-juin passé, le temps passe vite. Hein. Le temps passe vite. Et puis bah j'ai hâte de vous présenter d'autres choses. Tout ça, j'ai tellement de projets à mettre en œuvre dans la hi-fi là que c'est compliqué parce que j'ai très peu de temps. Et puis en même temps, bon bah j'ai pas forcément l'argent pour le faire. Il y a un déménagement qui devrait arriver d'ici quelques mois aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se chamboulent. Mais bon, dans tous les cas, je vous oublie pas. Hein, je vous fais toujours des petites vidéos. Enfin, j'essaye tant bien que mal de vous apporter un petit peu de contenu. Il y a plein de choses dont j'aimerais discuter avec vous, tout ça. Voilà, vous parler. Mais bon, il y a des fois c'est un peu compliqué hein, parce que c'est vrai que la hi-fi elle prend beaucoup de place dans la vie courante et des fois faut mettre un peu de l'est aussi hein, quand même, il faut mettre un peu de l'est. Voilà les gars, bon bah écoutez, je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. Allez, ciao ciao.